À tous et bienvenue dans notre minute quotidienne de la cuisine de Mémé Monique. Et du coup, aujourd'hui, je dois vous annoncer je dois vous annoncer le fait que Mémé Monique vient manger à la maison demain. En effet, c'est l'anniversaire, mon anniversaire, celui de papa et celui de tonton. Du coup, toute la famille vient manger à la maison. Et si vous avez des questions à poser à Mémé Monique, prévenez-nous en amont parce qu'on pense faire un live avec elle demain. On essaiera d'en faire un, mais du coup voilà, n'hésitez pas à préparer des questions. Et alors, pour demain, on prépare, faut que je retrouve le nom, un kigafar, je sais pas comment on dit exactement. C'est un pot-au-feu breton. Bon, du coup, si quelqu'un peut me dire comment on dit, ça m'intéresse. Et pour faire ce kigafar, on a besoin de sacs comme ça, comme papa et Iso sont en train de remplir. Et il y a deux kigafar à faire. Du coup, un kigafar noir. Deux phares, un noir et un blanc. Du coup, là, vous faites lequel? Le noir. Là, c'est le noir. Et en fait, c'est une sorte de pâte à pain qu'on va venir faire cuire avec ça. Hop. Avec le bouillon, du coup, avec de la viande et puis des légumes. Et comme ça, ça va cuire tout doucement dans les sacs. Et les sacs, c'est Ise qui les a confectionnés elle-même. Voilà, voilà. Du coup, surtout, n'hésitez pas à nous préparer des questions pour Mémé Monique demain. Bonne soirée à vous. Au revoir.